What is life? What is the evolution? What is the crossovers between life vegetal, life animals, and life human? Je suis très curieux de la réaction, voilà, du public. Not specifically the fractal, but painting, yes. Yeah. But it's really cool. It's like a mix of technology and art. So I find this exhibition extremely interesting as it both links mathematics, arts, and it's a way to have a link to the infinite, being either a high infinite or a very small one. Human body involved in its metamorphosis with animals into its whole artwork, where technology is involved into the human beings, but at the same time we're still a kind of animal being. Because everything is one, and everyone is a part of the other one. So I think the target for Jean-Claude Ménard is to make people thinking and maybe try to understand by themselves that nothing is disjointed and nothing is separate, but everything is inside the other. Tous les animaux que l'on voit dans cette exposition, ils sont construits toujours avec le même élément qui est une silhouette humaine. Mais c'est pour montrer que les choses ne sont jamais finies, jamais. Tout continue tout le temps à se faire et à se défaire. Ça se recompose. D'abord que je viens à Shanghai faire une exposition, et voilà, chez à la galerie du Monteil, et je suis non seulement heureux de voir la réaction du public de Shanghai par rapport à mes œuvres que j'ai présentées déjà presque beaucoup de pays. I'm really interested into the mathematics and text, so how Jean-Claude Ménard is using math to produce this kind of artworks. Very talented artist. He is my friend also, but today he's much more somebody I want to promote, and I want to share the works with the world, and especially today with China and Shanghai. Mais il connaît l'évolution dans mon travail. On voyait depuis longtemps le meilleur moyen de qu'est-ce que je pouvais présenter qui pouvait intéresser le public chinois.